Hello les fleurs! On espère que vous allez bien, on vous retrouve à Disneyland Paris! Il y avait trop longtemps qu'on n'était pas venus ensemble. Ouais. Et on a choisi la journée parfaite, c'est blindé. C'est blindé, on a mis hyper longtemps pour rentrer dans le parc. Mais ça y est, on y est et que fait-on? On va faire un Yes Man Challenge! Oui, on va essayer. Donc le principe c'est de dire oui à tout. Voilà, voilà. On n'a pas le choix. Donc on va se le faire mutuellement. C'est parti? C'est parti! Comment vous dire que je sens venir l'entourloupe? Et oui! Parce qu'elle va dire allume la caméra, j'ai une petite idée pour toi. Et derrière, il y a le village de Pocahontas. Allez, vas-y. Alors, j'aimerais que tu ailles faire un jeu au milieu des enfants. Mais oui, avec plaisir. Vu que tu es un petit enfant. C'est l'heure du choix. Alors, ça s'est réouvert il n'y a pas très très longtemps, le village de Pocahontas. Je vais commencer par faire un peu de tout. Waouh, la classe. Joli. Je vais faire le toboggan. Mais tu pouvais monter? Ah non, tu pouvais pas. Bah tu vas où? Bah là. Celui-là. Ah non, mais très bien, fais le grand toboggan, écoute. Je vais pas passer là-dessous. Mais si, tiens bien ta robe, hein. Je voudrais pas filmer ta culotte. Quelle grâce, ce moment était divin. Ça fait du bien, ouais. Tu retrouves un peu ton âme d'enfance. Oui, j'aimais bien faire du toboggan. Dis donc, Émilie, on serait pas près du passage d'Aladin? Tu voudrais pas chanter une petite chanson tout au long du passage? Pourquoi pas? Ce rêve bleu par exemple. Je connais pas toutes les paroles. Bah le génie ou ce que tu veux. Non mais aucune, je connais toutes les paroles de A à Z. C'est pas grave. Okay. Ah, ça y est, on arrive au passage d'Aladin. Oui. Tu es prête, artiste Émilie? On valide, on valide. C'est là qu'il faut le faire. Ce rêve bleu, tu n'y crois pas, c'est merveilleux. Les souvenirs qui dépassent. Maintenant les yeux, partageons ce rêve bleu. Tu sais, on a fait un challenge personnage. On en a fait deux même. Chiche, d'aller faire un selfie en courant deux secondes avec le génie là-bas. Genre tu t'approches doucement, tu fais clap, hop, tu repars. Ok. Chiche. Bah oui. Tu vois comme elle fait là. Un peu quand même. Beaucoup d'enfants sur le parc aujourd'hui. Hein? Ça serait gentil de faire plaisir à l'un d'entre eux. Comment? Bah, je propose que tu ailles acheter une sucette et que tu l'offres à l'un de ses petits enfants. D'accord. C'est parti? C'est parti. J'avais déjà fait trop. On part à la recherche de la sucette. Tu choisis celle-là? Bah oui. Bah oui. Bon, Émilie a eu une très bonne idée, quelle est-elle? Bah, acheter un petit bouquet de petites sucettes au lieu d'une grande sucette, comme ça je peux en donner à plus d'enfants. Oui, c'est parti, on fait la chasse. Attends. Elle était pressée. Mais alors elle a bien compris que je lui donnais une sucette, hein. Ça c'est la magie de... Ouais, du langage international de la gourmande. On a validé une sucette. En soi, déjà j'ai validé le challenge. Oui. Vas-y. Merci. Ils comprennent, les gosses, c'est un truc de dingue. Tu leur tends, ils prennent. Ouais. Oh. C'était un bon. Ok, bon. Il y en a deux autres là. Allez. Bonjour. 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 Tu veux que tu fasses?
dans les bras encore. C'est validé. Bon, Émilie. Oui. On s'habitue à dire oui. Ouais. J'aimerais bien découvrir un restaurant que je ne connais pas. Très bien. Pourrais-tu me faire découvrir quelque chose? Oui. C'est parti, on vous emmène. Bon, et eh bien Émilie voulait m'emmener ici au café de la Brousse que je ne connais pas du tout, mais c'est fermé. La tristesse. J'ai un petit yes man challenge pour toi. Non. À l'heure de manger, à l'heure où j'ai tellement faim en plus, vas-y. Je voudrais que tu cries je t'aime Mickey dans la file d'attente. Oh non. T'as dit non, c'est un yes man challenge. Yes woman challenge. Alors. Ok. Je t'aime Mickey. Ah non, on a dit crier. Je t'aime Mickey. Ce que tu pouvais faire. Bravo, bravo, challenge réussi. Disons Émilie, j'ai une idée. Ouais. Tu voudrais pas monter au balcon du château de l'autre côté et ouais, faire coucou à ton peuple? Ah oui, bien sûr, bah je voilà, vais saluer, je vais saluer. Mais avant, oui, on pourrait passer à la boutique en bas du château et essayer les diadèmes un petit peu. Ah bah ouais, parce que princesse, tu vois. Donc ça y est, on vient d'arriver à la boutique sous le château et il y a plein de diadèmes. Alors comme je suis sympa, je vais pas lui faire acheter. Mais par contre, on va en essayer quelques-uns quand même. Oh, c'est joli. C'est beau. C'est pas de ma faute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un gros là, celui-là. Ça, celui-là. Avec l'étiquette. Ouais, très chic l'étiquette. Ouais. Votez pour le 1. On valide, votez dans les commentaires sur pour savoir quel diadème vous préférez. Attends, je vais en essayer un. Un serre-tête en fait. Ah oui, là on est sur un serre-tête. Ah, c'est très joli ça aussi. Un de chaque, merci. Je les regarde. Nous sommes actuellement devant le château et je voudrais que tu me fasses une très belle danse de la joie en plein milieu là. Une danse de la joie comme tu les aimes. Comme je les aime, bien remuante. Très bien. Tu veux que je prenne ton sac? Il y a tellement de monde que les gens vont même pas savoir ce qu'il y a dans le truc. Allez, c'est parti. Ah. Je pense qu'il faut que tu la refasses parce qu'il y a des gens qui sont passés devant et histoire qu'on voit bien. C'est validé. Ah ouais, on kiffe, c'est validé, merci bien. Dis donc ma biche. Oui. Il y a longtemps que tu as pas relevé un petit challenge. C'est bien vrai. Je propose que tu ailles demander à un passant quelque chose, mais quelque en anglais chose. Mais je demande quoi? Quelque chose de ton choix. Je sais pas si à quelle heure est la parade, d'accord, où est-ce qu'ils ont acheté leurs oreilles. Est-ce que tu veux? Ok. Je te laisse le choix. La dame a mis ses oreilles en vert. En violet. Tu peux lui dire ça. Hein. Excusez-moi, vous avez mis vos oreilles à l'envers. Vas-y, je vais lui dire ça. Excuse me. What did you buy this toy? Thank you. Et c'est validé. Hé hey Fleur. Oui. Tu veux pas aller demander un ballon à un monsieur? Un ballon? Oui, un monsieur là-bas, un cast member. Oui. Tu lui demandes un ballon, il te le détache, tu le prends et finalement tu lui dis oh non, j'aime pas. Ok. C'est le premier fail parce qu'il faut acheter le ballon avant. Du coup, non, bah non, non, c'est pas grave. Merci, c'est gentil. Merci, merci. J'ai donné de tout de moi. C'était le fail. Fallait bien qu'il y en ait un. Ils doivent avoir l'habitude des gens qui tirent avec des ballons. Ouais aussi. Alors, je t'invite, vu que
nous ne restons pas à l'hôtel aujourd'hui. Allez demander un petit shampoing au concierge pour ta chambre parce qu'il n'y en a plus. Mais à quelle heure je fais ça? Genre tu dis, je sais pas, chambre 22. Ça doit bien exister. Non? Tu stresses? J'ai honte un peu. C'est pour le fail du ballon, tu vois, ça ressemble. Ouais, mais c'est dur ça. Mignonnette, j'ai eu un shampoing. Je vais voir si. Merci. T'es trop balèze, meuf. Ça se voit que je filme ou pas? Ouais. Si vous voulez, on vous l'envoie en chambre. Je repasserai tout à l'heure sinon. Si vous voulez, d'accord. Du coup, j'ai semi-gagné là quand même. Ah non, c'est un fail, tu l'as pas eu. Hein. Oui, mais c'est passé, elle me l'aurait donné. C'est un fail. Elle me l'aurait donné. C'est un fail. Tu l'as pas eu. C'est un fail. Il va falloir qu'on repasse tout à l'heure. Excusez-moi, ça me En fait, on est passé à la conciergerie pour la chambre que ce soir, mais j'aurais besoin de les cheveux. Deux. 1102. Je crois. D'accord. Ah, mais il faut le mettre dans la chambre directement. D'accord, ok, merci. Non, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Ce sera donc un fail. Franchement. On peut lui accorder ce point. Oui. Parce qu'elle a vraiment mis du sien. J'ai tout donné là. Ouais, ouais. Tu disais que j'avais été gentille. Oh non. Et t'as l'air un peu fatiguée là. Oui. Du coup, il y a Alexia, qui est une abonnée, oui, qui te propose de faire une petite danse. Oh putain. Et comme les gens nous jugent déjà alors qu'on est juste assises dans le fauteuil. Est-ce que tu es contente? Ravie. Ça se voit, non? Je le savais. Un si joli hall, ça serait dommage de pas en profiter quand même. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme danse? Vals, salsa, zumba. T'as l'air ravie. Tu veux pas enlever ton manteau? Tu serais plus à l'aise quand même. C'est le Yes Man Challenge, non? Tu veux pas enlever ton manteau? Moche. Tu veux quoi? Je sais pas, je vais te la mettre. Tes images me reviennent. Bah, je sais pas, tu veux pas un slow? Hein? Pour aller danser le jack, pour aller danser le jack. De la musique pop, sur de la musique pop. Nanana, les stromboscopes. Nanana, nanana. Le carré. Ah oui, le pas carré, le pas carré. Et c'est validé. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo Yes Man Challenge. Vous voterez pour celle que vous trouvez qui a été la plus quoi, la courageuse. Plus courageuse. Franchement, je trouve que c'est toi. Je trouve que j'ai été plus dure dans tes challenges. Le petit savon a été quand même un dur échec. Elles étaient vraiment pas très sympas. Ouais. Oui, le shampoing. Mais bon. Ouais. C'est pas grave, on espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment avec nous. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Un petit commentaire. Voilà, vous abonner à nos deux chaînes si ça n'est pas déjà fait, vous aurez les liens en barre d'infos. Et jusqu'à la prochaine. On vous fait des gros bisous de Disney. Ciao.